Alors que les contrats de Ronald Araújo et Gavi arrivent à leur terme en juin 2023, leurs entourages affirment qu'aucune réunion n'a eu lieu récemment. Si le FC Barcelone veut grandement se renforcer lors du prochain mercato estival, les dirigeants catalans veulent également prolonger certains contrats qui arrivent à leur terme, en particulier ceux de Ronald Araújo et Gavi. Âgés respectivement de 23 et 17 ans, les deux joueurs représentent l'avenir du Barça, eux qui semblent déjà indispensables dans le système de Xavi. Cependant, le défenseur et le milieu de terrain seront libres en juin 2023, et aucun accord n'a encore été trouvé concernant une extension de contrat. Pire encore, aucune réunion n'aurait récemment eu lieu. En effet, comme le révèle le journaliste Gérard Romero, les entourages de Ronald Araújo et Gavi affirmeraient n'avoir eu aucune nouvelle réunion et n'avoir rien refusé concernant une éventuelle offre de prolongation de contrat. Toutefois, si une rencontre entre les dirigeants du FC Barcelone et les représentants de l'international uruguayen serait prévue après la trêve hivernale, rien n'aurait encore été planifié pour le milieu de terrain espagnol. En fin de contrat, le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala serait déjà assuré de partir librement et gratuitement cet été. Alors que le nom du joyau argentin a été lié au FC Barcelone ces dernières semaines, Xavi ne serait pas vraiment déterminé à le recruter. En effet, le coach catalan aurait d'autres priorités pour le moment. Une nouvelle qui devrait ravir le PSG. De retour au FC Barcelone, Xavi a déjà frappé fort sur le marché. En effet, le coach catalan s'est offert les services de quatre joueurs, à savoir Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré tout, Xavi ne compterait pas s'arrêter en si bon chemin. Alors que le Barça est en grande difficulté sur le plan financier, l'ancien technicien d'Al Sadd aimerait multiplier les coûts à 0 euro lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, Xavi aurait identifié le profil de Paulo Dybala, qui devrait quitter la Juventus librement et gratuitement le 1er juillet. Ce mercredi, Matteo Moreto a fait un nouveau point sur l'intérêt du FC Barcelone pour Paulo Dybala. Et à en croire le journaliste italien, Xavi estimerait que le joyau argentin est une belle opportunité de marché, dans le sens où il peut être recruté pour 0 euro cet été. Toutefois, le coach du Barça aurait d'autres priorités pour le moment. Le PSG, qui serait également sur les traces de Paulo Dybala, peut afficher un large sourire.